aujourd'hui, on va vous montrer la vidéo de cette traversée. Allez, à bientôt! De régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter, nous signalons votre appel. Alors, hello, cette nuit, ça a été difficile ? Oh là là, coucou à tous. Eh bien, aujourd'hui, on appelle le CCMM pour la première fois. C'est le centre médical de Toulouse parce que voilà, j'ai eu une plaie au pied qui était hyper anodine. Et en fait, sur un bateau, c'est pas trop anodin parce que ça s'infecte très vite. Et là c'est douloureux, infecté, et comme on prépare une prochaine traversée pour le Cap Vert, c'est pas top de partir comme ça. Donc voilà, c'est long, j'attends, mais ils vont me dire quoi faire. Alors hello, résultat ? Ben, résultat, c'est une infection sur infection, et du coup, ben, antibio, je déteste. Que tout le monde se rassure, Élodie va bien. Après cette téléconsultation, elle a enchaîné les bains de pieds désinfectants et une dose massive d'antibiotiques, ce qui a permis de partir 3 jours plus tard et de réaliser la traversée. Salut à tous, bienvenue sur Will See, c'est la petite famille qui se réveille ce matin de lundi 14 novembre. Et on est prêt pour le départ. Donc la fenêtre météo est là, on va y aller. On a à côté de nous un trimaran Nil 43 là, qui est un bateau copain qui part à peu près en même temps. Autant vous dire que je pense qu'il sera avant nous au Cap Vert. Et puis pour l'arrivée au Cap Vert, eh bien, on s'est rendu compte hier soir qu'il y a des ports d'entrée hein, pour faire les immigrations. Alors je le savais, mais je l'avais un peu occulté. Et donc l'île qu'on visait n'est pas un port d'entrée. Donc il va falloir qu'on change de destination. Et pour le moment, deux choix s'imposent. Soit Sal, qui est l'île la plus à l'est. Soit directement Mindelo, c'est São Vicente, je crois. Qui est l'île la plus à l'ouest et normalement le point de départ de l'Atlantique, enfin de la Transat. Donc on ne sait pas encore exactement où on va aller, on va se décider un petit peu en route fonction de comment ça se passe, la navigation, si on la subit ou si on la vit tout simplement. Et donc on bifurquera vers l'une ou vers l'autre parce qu'au départ ça n'a pas trop d'importance. Ce matin ce sera grand voile et génois parce qu'on a un petit vent de travers, génois ou génac. Fonction de l'angle du vent. Pour les premières 24 heures, ce sera ça. Et là, cette nuit, ça devrait être un vent relativement calme, peut-être du moteur. Mais au moins, ça évitera d'avoir trop de vagues si tout se passe bien. Allez. Bye. Salut. Il serait quand même temps de pêcher, non? Bon, faut vous dire quelque chose, hein. Depuis le début, vous l'avez lu peut-être ici ou là. Qu'est-ce qu'on a pêché, Nora? Un maquereau et une bonite. Un maquereau et une bonite? Vous trouvez ça sérieux? Moi, j'ai pas signé pour ça. Hein. Donc, on a changé le fil. Tout enroulé. Ouais. D'abord, t'avais acheté du fil trop gros, ça rentrait pas. Donc, on a tout fait, on a tout enroulé, ça a fait un gros nœud, du coup, on a tout enlevé. Et il a racheté un nouveau fil, là on a mis un peu moins de 200 mètres. C'est ça. On a mis un peu moins de 200 mètres de ça. Voilà. Donc, vous voyez, 37 kilos. Avant qu'on y arrive, je pense qu'il va se passer un petit moment. Mais bon, c'est mis, 37 kilos. Au bout, j'ai mis Rolling Snap, là, ça s'appelle ça, pour venir accrocher
le bas de ligne, hein, le leurre en lui-même. Et puis en leurre, je vous en montre un ici, mais on en a un autre. C'est... On a ça. Voilà. Ça. Ou alors un poulpe que j'ai pas ici. Non, le poulpe il est pas là. Sinon c'est un gros poulpe. Donc voilà, on va voir. On a mis, donc, et le Nénora vient de le dire, on a mis 180, ouais, il doit y avoir 180 mètres, 190 mètres. Sachant qu'on laisse traîner environ une centaine de mètres derrière. Voilà. De toute façon, je peux pas en mettre plus, le moulinet prend pas plus. Voilà, donc c'est notre petite activité de départ. Allez, on va aller pêcher. Plus. Débriefing jour 1, ça y est, 24 heures viennent de s'écouler et on est au large du Sahara occidental, zone moyennement famée. Eh bien écoutez, on attendait cette traversée avec pas mal d'appréhension hein, quand on sait les difficultés qu'on a eues sur la précédente. Je parle de Lisbonne vers les Canaries, comme vous pensez dans une vidéo précédente. Autant dire que celle-ci était attendue et écoutez, pour le moment les premières 24 heures ont été plutôt calmes. On n'a pas eu trop de vent sur les 12 premières heures exactement, donc on a dû faire un peu de moteur. Et puis là sur la nuit, ça a été plutôt calme et puis ça s'est accéléré un peu en fin de nuit. Moi je dis accéléré, on a réussi à avoir voilà, 15, 20 à 20. Voilà, tout ça sous SPI, on l'avait lancé hier soir pour la nuit, comme le vent était faible. Et puis là aujourd'hui, on est encore, ce matin, on est encore sous SPI, parce qu'ils annoncent la même chose. Bien que la mer se soit levée un peu avec les 20 nœuds, bien sûr, la mer se lève. Et bien écoutez, on se retrouve demain pour la suite et les éléments du jour. Et bien on a parcouru 140 nautiques sur les premières 24 heures, ce qui vu le faible vent n'est pas étonnant. Et puis sur une moyenne bah, de 6 nœuds. Voilà. Allez, à demain. Sont stables, hein. On sent bien qu'on a touché l'Alizé parce que il bouge assez peu en direction. En gros, ça fait du nord-est à nord-nord-est pour une quinzaine de nœuds avec des rafales à 20. C'est à peu près ça qu'on a là depuis maintenant 36 heures. Donc le spi n'a pas bougé, on a mis le pilote auto en mode vent de sorte que le réglage de la voile soit pas tout le temps à faire, notamment la nuit. Et puis la mer, elle est correcte. Ces dernières 24 heures, eh bien, rien de particulier, on n'a pas remis la canne à l'eau parce qu'on avait déjà pris donc, une Dora Corican et puis on ne se sentait pas d'avoir à retraiter du poisson. On l'a pas remise. Du coup, journée plutôt, j'allais dire, ennuyeuse, contemplative, on va dire. Voilà, une journée contemplative. Elodie se bat toujours avec son petit souci de santé dont on a parlé au début. Le pied guérit doucement, mais bon, ça... Ça demande attention. Voilà pour les filles. Noémie, ça va? Oui, très bien. Oui, très bien. Et Nora, je sens que ça y est un petit mieux quand même là. Bon, elle a vomi trois fois hier quand même. Hein. Quand je vous dis mieux, voilà l'ordre de grandeur. Mais là, elle est devant, elle regarde l'horizon, elle mange un petit peu. Donc voilà, ça doit aller. J'en profite pour vous parler, puisque c'est pas passé grand chose hier, mais au rythme de car, comment on fait? Et ben en fait, on a essayé de faire des rythmes de 3 heures. Parce que, alors on entend des fois 2 heures, des fois 4, il y a plein de solutions. Hein. On entend souvent 2 heures, mais 2 heures, on trouve ça un peu trop juste pour quand on est hors car pour se reposer
parce que le temps d'endormissement, c'est pas comme à la maison, en tout cas pas pour nous. Là, ça demande un petit temps d'adaptation, hein, le temps de se faire le lit, ça bouge pas mal. Donc 3 heures, c'est quand même plus cohérent. Et pourquoi pas 4 ? Parce que 4, pour celui qui est en quart, ça commence à faire un peu long. Donc 3, c'est une bonne moyenne. Et comment on fait ? Comme Elodie a tendance à beaucoup dormir la journée, elle est plutôt fraîche le soir, et elle n'aurait pas envie d'aller se coucher tout de suite, donc c'est moi qui vais me coucher. Je la relève à 1h pour prendre de 1h à 4h, puis elle revient de 4 à 7, et enfin moi je fais 7h jusqu'à après 10h, voilà, le reste de la matinée. Dans la journée, on est plus flexible, c'est tout le monde qui regarde un peu. Il faut dire que contrairement à la traversée de Lisbonne, Canaries, où c'est vrai on n'a pas vu grand monde, on se sent quand même vachement moins menacé, quoi, parce que il n'y a pas vraiment de pêcheurs par ici a priori. Tous ceux qui naviguent là ont l'AIS plus ou moins, en tout cas ce qu'on voit le plus c'est les cargos, et puis tout le monde fait à peu près la même direction. Si c'est des voiliers de voyage qui n'ont pas d'AIS, dans ce coin là ils vont dans une seule direction, c'est la même que la nôtre. Donc avant que ça arrive face-face ou ce genre de trajectoire de collision, c'est pas tout de suite. Donc on est de ce point de vue-là plutôt un petit peu plus serein. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour le jour 3. La ligne elle avait été coupée, quoi, donc l'heure partie. Tant pis, donc on a changé de l'heure et puis là ce matin on l'a mis et on a pêché. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, s'il y a des spécialistes mettez-le dans le commentaire parce que moi je ne sais pas. Voilà. Il surfe à 12,5 donc je fais attention parce qu'on est toujours sous paracélor, comme depuis le début on n'a jamais rien touché. Donc là je l'ai gardé, sachant que vous ne voyez peut-être pas ici mais je vais vous l'indiquer. On a des rafales jusqu'à 24 nœuds, voilà, avec un vent moyen qui se situe autour de 20-21 nœuds. Une mer un peu agitée, donc je le garde. Jusque là ma limite était à 20 nœuds, je me suis dit que j'avais quand même relativement sous-dimensionné la taille du spi. Donc je peux permettre de garder un peu plus longtemps. Et qu'à mon avis, ça pourrait tenir dans des rafales jusqu'à 25. Donc là, on y est relativement. Je ne voudrais pas que ça monte trop au-dessus. Parce qu'après, on va pouvoir le ranger. Et puis le pilote, il bosse sévère au propre. Alors que d'habitude, derrière un train, je fais pas tout correctement. Là, aujourd'hui, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il faut voir les mouvements de barre qu'il y a. On est à 160 nautiques de l'arrivée, on devrait y arriver demain soir ou plus tard samedi soir. Voilà, et on est plutôt content que ça approche de la fin. Et puis on finit en plus sur des chapeaux longs parce que ça pousse franchement. La moyenne de vitesse jusque-là est à 6,3, sachant qu'elle était à 6 nœuds encore hier et c'est simplement les dernières 12 heures là, qui ont permis de la faire grimper en flèche. Sinon, je vous donnerai le détail complet à l'arrivée. Et Nora qui était si malade, vous savez, et qui a du mal à s'en sortir, écoutez, je pense qu'on peut le dire, ça y est, c'est passé. À l'heure où je vous parle, elle joue juste derrière, à la Switch, dans le cockpit.
et donc c'est un signe que tout va mieux. Elle mange, donc je pense que le plus dur est derrière maintenant et que ça va aller vachement. Le prochain point, eh bien, ce sera l'arrivée. Et voilà, après 5 jours et 8 heures de navigation, un peu plus de 800 nautiques et une moyenne de 6,3 nœuds, on arrive à Mindelo pour une dizaine de jours avant de repartir traverser l'Atlantique. À bientôt dans le bateau.